Okay. Bonjour. Bonjour. Présent. Oui, oui. Voilà. Là, la deuxième projection. De tous ces gens sont venus pour le film. Bien pour sûr. Le film Le Tribunal sur les Congo. Tout à fait. Je suis très, très, très enchanté pour mon pays. Un succès énorme. Un succès énorme. Et merci à Milo. Oui, voilà. Comme ça, tout le monde saura ce qui se passe au Congo, le drame humanitaire du Congo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. L'intérêt de ce film, c'est que tout ce qui est là-dedans est vrai. C'est-à-dire les acteurs sont des acteurs connus, des villageois qui ont souffert, et les autorités congolaises. Et puis, bon, nous, en tant que leaders de ce pays, ce film montre ces génocides oubliés de la République démocratique du Congo. 7 millions de morts, selon les Nations Unies. Et puis, ces populations qui sont victimes de leurs ressources naturelles. Quel contraste. Nous voulons que l'instar de l'hôtel Rwanda, ce film soit un point de départ pour faire connaître ce génocide oublié de la République démocratique. Et nous sommes très heureux de voir que la première projection ici, les gens n'ont pas pu, la salle n'a pas pu contenir l'engouement du public. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, c'est la même chose. La salle est archi-pompe et les gens sont dehors à une minute du début de la projection. C'est extraordinaire. Je remercie M. Milo, et toute son équipe. Je remercie tous ces publics qui sont venus de tous les coins d'Europe parce qu'il s'agit d'un festival de la 70e édition de Carmont, ici, la Suisse italienne. On a quand même une presse qui parle beaucoup de ce qui se passe en Afrique, en Suisse. On a la télévision, on a Facebook, tout. Là, dès que vous voulez regarder ce qui se passe en Afrique, on peut le voir maintenant, sans problème. Et moi, j'ai de la famille en Afrique aussi, donc je suis particulièrement touchée. Ouais. J'ai voyagé aussi au Congo, et donc pour moi, c'est pas l'inconnu. Ah ben moi, j'ai envie de connaître la vérité, que je ne sais pas non plus si ce que dit dans les médias correspond vraiment à la vérité. Et est-ce qu'on connaît vraiment la vérité ? Il y a de la corruption dans tous les pays, y compris en Europe. On ne sait jamais ce qui est vrai et pas vrai. Sans hésiter, j'appelle sur scène les deux producteurs du film, qui sont M. Arne Birkenstock et Olivier Tsopris. We are very happy that also the second screening can attract so many people at such a warm day. And Milo unfortunately had to leave this morning, but he sends his very best regards and hopes that you will enjoy the film in the sense that it is somehow thought-provoking and interesting for you. But we do have really a surprise guest here today. He arrived yesterday night. Vital Kamerhe, he is the presidential candidate of the oppositional party in the Democratic Republic of Congo. And we are really happy and flattered, Vital,
that you took the long way from Kinshasa to Lucarno. Monsieur Caméré, vous avez fait partie du tribunal Bukavu il y a 2 ans. Vous étiez aussi à Berlin où il y avait une deuxième partie du tribunal. On a été tous ensemble avec Milo il y a 2 semaines. On a fait un petit tour au Congo pour présenter le film à tous ceux qui ont fait partie du tribunal pour vraiment leur montrer en premier ce qu'on a fait. Vous avez aussi fait partie de ce tour pendant les 5 projections. Vous étiez toujours sur scène avec nous, vous êtes tous les tours. Quelle est votre impression à la fois du tribunal et maintenant du tour? Comment les gens ont réagi quand ils ont vu le film? Merci beaucoup, je suis très ému. Je commence par remercier ces publics cosmopolites venus de tous les coins d'Europe pour suivre ces réalités douloureuses des populations congolaises. Ces populations qui sont tuées, qui sont massacrées, qui sont violées, qui sont déplacées, parce que tout simplement leurs sous-sols contiennent des richesses minérales. Le coltan, la cassitérite, le diamant, l'or, tous les minéraux. Le Congo, c'est le pays qui a le plus de minéraux, je pense au monde, estimé à 24 000 milliards de dollars américains, supérieur au PIB des États-Unis d'Amérique, additionné au PIB de l'Europe occidentale. Quand je vois tous ces publics, j'ai dit, au moins les génocides oublié de la République démocratique du Congo sera connu grâce à M. Milo et son équipe. Nous disons aussi, c'est une façon d'apporter une solidarité sur le plan international. Et enfin, ça nous fait prendre conscience à nous, les leaders congolais, africains, qu'on peut, grâce à l'exploitation rationnelle de nos ressources naturelles, résoudre les problèmes de l'Afrique à l'Afrique. Ça peut arrêter les migrants clandestins. Ça peut aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à endiguer le terrorisme, puisque vous avez vu les 3 cas qu'on a choisis, que ce soit à Mutarule où on a massacré des gens, que ce soit à Luinja, Twangiza, Mukungwe ou bien à Walikale. Et tous ces jeunes qu'on chasse créent des groupes armés pour essayer de se défendre. Et à Mutarule, le cas le plus touchant, on a tué tout le monde, y compris les femmes dans les maternités, les bébés. Et tout y est passé sans l'assistance des autorités et des casques bleus des Nations Unies. Les gens ont été enterrés dans des sacs de farine, dans des fosses communes. C'est inacceptable. Et à partir de Locarno, ce grand festival de Locarno, nous pensons que ça peut être un point de départ pour faire connaître au monde entier ces génocides oubliés et que tous nous puissions y mettre fin. Je remercie encore une fois les organisateurs, ces publics magnifiques. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Malheureusement, pas de débat après la projection, mais on sait que le film a suscité beaucoup de questions. Donc nous, on en sera là, dehors, dans le foyer. Si vous avez des questions, approchez-nous, on essaierait de répondre. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne projection. Merci beaucoup. Merci.